Et on prend conscience de son souffle, le flux et le reflux du souffle, l'inspire et l'expire. On prend conscience sans tenter de le contrôler, en étant simplement observateur de ce souffle à l'intérieur et à l'extérieur, ce mouvement, inspire et expire, comme une vague apaisante et purifiante. L'inspire nous emplit de lumière. Et l'expire permet à toutes les petites contrariétés ou choses désagréables de se dissiper, de s'éloigner. Et l'on est simplement en conscience de cette respiration, de ce souffle qui circule à l'intérieur. Et qui peut peut-être aller jusque dans le ventre. On peut également observer ce mouvement du corps physique au fur et à mesure que le souffle entre, puis sort, le ventre qui se soulève, peut-être les épaules qui bougent, la cage thoracique qui s'ouvre, puis qui se referme. On peut imaginer que dans cette respiration, dans ce souffle, on vient placer beaucoup de douceur et de bienveillance, que l'on fait entrer à l'intérieur de nous, et qui vient se diffuser dans toutes les parties de notre corps, la douceur et la bienveillance, un peu comme si une caresse à l'intérieur de nous venait tranquillement se déposer sur chacun de nos organes, chacun de nos muscles, chaque articulation. Douceur et bienveillance pour ce corps physique qui nous porte chaque jour et qui nous permet d'être, être dans l'être, incarné. On peut imaginer cette douceur sous la forme de petits nuages tout doux qui se disperse à l'intérieur de notre corps et l'on sent la douceur qui vient se placer peut-être dans nos pieds, dans nos chevilles, cette bienveillance du souffle, de l'énergie, de douceur dans nos jambes. Dans nos genoux, tranquillement, petits nuages de douceur se dispersent comme des caresses intérieures et pourquoi pas des caresses sur notre peau. On peut imaginer ces petits nuages de douceur qui viennent nous envelopper tranquillement comme dans un cocon. Et qui continue de se diffuser à l'intérieur de notre corps, les jambes tout entières, qui deviennent toutes molles,
rempli de douceur. Le ventre, le dos, tout s'emplit. Les bras, les mains, tout se recouvre et l'on flotte dans cet écrin de douceur que l'on ressent aussi à l'intérieur de soi, ce calme, cette paix, cette bienveillance, cette douce bienveillance. On se laisse porter par cette douceur amenée par notre souffle, un souffle harmonieux, régulier, que l'on observe et qui nous charge de cette douceur, de cette paix, de cette sérénité. C'est ainsi entouré de cette douceur, de cette paix, de ce calme que nous allons avancer sur un chemin. Nous sommes aujourd'hui dans un jardin japonais et le chemin est fait de gros galets qui sillonnent, qui serpentent à l'intérieur de ce jardin. On peut sentir la douceur de ces galets sous nos pieds nus. Et pour chaque pierre, chaque galet, un temps d'arrêt nous permet de nous charger de son énergie positive. On sent cette énergie qui monte par les pieds et qui nous recharge. Le paysage est agréable, harmonieux, parfaitement dessiné. Et l'on avance pieds nus sur les galets. Un par un, en ramenant à chaque fois nos deux pieds l'un près de l'autre. Et en prenant le temps d'observer ce calme, cette sérénité, peut-être que notre regard s'attarde sur quelque chose dans ce jardin qui nous plaît, qui nous attire particulièrement, peut-être un arbre, peut-être de l'eau. On avance jusqu'à cet objet, jusqu'à cette chose qui nous plaît, qui nous attire, pour en sentir l'énergie. Si c'est de l'eau, on pourra peut-être tremper nos deux mains dedans pour en capter le mouvement, pour en capter la fraîcheur et la douceur de l'onde. Tranquillement, dans un silence, on capte et l'on goûte à l'harmonie de ce jardin. Peut-être qu'un arbre nous attire et nous venons placer nos deux mains sur son tronc pour en capter la force et l'énergie vivante. Tout est parfaitement harmonieux dans ce jardin. Tout est chaud, parfaitement délimité. Et au loin, on aperçoit la statue d'un immense Bouddha, gigantesque, assis en méditation. Ses deux mains
l'une sur l'autre, forment un petit berceau, un berceau accueillant. Au pied du Bouddha, des offrandes de fleurs multicolores. La scène est extraordinaire, magnifique. Les odeurs, l'odeur de l'encens, des bougies. Et l'on aligne notre propre sérénité sur la sérénité de ce Bouddha, assis paisiblement, les yeux fermés. On peut nous aussi choisir de nous asseoir face à lui, dans la même position. Simplement en observant cette posture assise, identique à celle du Bouddha, et ressentir cette sérénité, cette force qui émane de lui, puis choisir d'allumer peut-être un bâton d'encens, peut-être une bougie, et peut-être de faire un vœu et regarder ce vœu s'envoler vers l'univers, choisir un vœu qui nous comble, qui nous convient, un vœu personnel, et le regarder s'envoler vers l'univers, accompagné de la fumée, de l'encens, puis simplement décider d'aller s'asseoir sur les mains du Bouddha, de ce Bouddha géant dont les mains semblent attendre de vous accueillir. Simplement peut-être même s'y allonger et entrer en protection dans ses mains bénissantes, protectrice, sentir la bienveillance et la merveilleuse douceur qui émane de ce colosse autour de nous. La force tranquille. Peut-être un peu comme une bulle protectrice. Rien ne peut nous atteindre. Nous sommes sous la protection de Bouddha, dans ses mains bienveillantes. Et l'on goûte à cette énergie, à cette force. En captant les énergies par chacun des pores de votre peau. En captant ce rayonnement, cette bienveillance qui s'adresse à nous. Comme si une lumière émanait de ce Bouddha et entrait en nous par chacun des pores de la peau,
une lumière forte, vive, qui entre, qui recharge, qui purifie, qui protège. Et tandis que vous êtes assis ou allongé, entre les mains du Bouddha, vous regardez au loin le chemin qui s'offre à vous, les perspectives, le champ des possibilités, un chemin peut-être bien droit, ou plusieurs chemins. À vous de choisir celui qui convient. Et vous allez observer ce chemin durant le temps du son, en imaginant peut-être les perspectives qui s'offrent à vous, les possibilités de ce chemin, en les visualisant, en vous les intégrant à l'intérieur de vous, vous allez visualiser durant le temps du son. Thank you.
Nous allons prendre un petit temps de silence durant lequel nous allons répéter intérieurement la phrase « Je choisis avec gratitude le chemin qui me correspond. Je choisis avec gratitude le chemin qui me correspond. »
Nous allons revenir tranquillement à ce qui nous entoure. Et lorsqu'on est prêt, on ouvre les yeux.